Eh bien, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais être assez court. Aujourd'hui, je sors mon premier gros mod sur WWE 2K19 en direct sur ma chaîne. Et c'est l'arène WrestleMania 35 que j'ai reproduit sur 2K19 PC avec des mods. Et franchement, j'en suis très ravi parce que ça a été très dur de faire cette arène, surtout par rapport aux lumières. Les lumières, les éclairages de chaque superstar, de l'arène en global, a été très dur à trouver pour déplacer ces lumières, pour les bouger, ça a été très dur. Et j'y suis enfin arrivé. Donc je vous dévoile, juste après cette parole qui va durer franchement pas longtemps, je vous dévoile Seth Rollins contre Brock Lesnar avec des petites entrées assez rapides. En gros, voilà, je vous dévoile un petit peu l'arène pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est disponible uniquement sur PC. Ça sera disponible demain à 16h en France. Il sera disponible en lien dans la description. Il faudra juste revenir sur la vidéo pour télécharger le lien. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce mode que j'ai. Franchement, j'ai eu du mal. J'en ai passé des heures pendant des jours et des jours genre, avec mon travail d'un côté. À chaque fois, je revenais et je dirais que j'allais modder. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez. J'espère que ça vous plaît. Et dites-moi si je dois continuer de ce genre de mode. En tout cas, peut-être pour l'arène de l'Arabie Saoudite, je le ferai aussi. N'hésitez pas à me le dire. Alors, juste après la vidéo révélation, je vais faire un petit tuto pour comment déplacer, en fait, installer tous les fichiers que je vous ai fait télécharger pour avoir cette arène. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like, à t'abonner ou à commenter, dire ton avis et à partager cette vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. Passez une bonne soirée. Allez, ciao! Right here, right now! Ladies and gentlemen, introducing at 265 pounds, the Rollin' Stomping Beast Slayer, Slayer, the reigning, defending, undisputed, Universal Heavyweight Champion, is scheduled for one fall, and it is for the Universal Championship! Making his way to the ring from Davenport, Iowa, weighing 217 pounds, Seth Rollins! Seth Rollins has won at every WrestleMania. Affected a low blow and two stomps! And third, a trifecta of stomps! Cover by Rollins! Hook of the leg! Seth Rollins is the Universal Champion! Here is your winner and the new Universal Champion, Seth Rollins! One of the most shocking moments in WrestleMania history! Seth Rollins claimed after WrestleMania, everything changes! Alors, donc, du coup, là, c'est surtout pour les Français. Je vais vous montrer comment installer la reine WrestleMania 35. Donc, ça veut dire, voilà, là, vous venez de télécharger mon fichier WrestleMania 35 avec tous les fichiers dedans. Et ici, vous avez le dossier de WWE 2K19. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir WrestleMania 35 d'un côté et 2K19 de l'autre. Ça va être plus simple. Donc, là, on est sur la racine. Là, on va dire aussi qu'on est sur la racine.
Donc on a le pack qu'on retrouve dans la racine carrée du jeu ici, et nous avons le sound que nous retrouvons ici. Donc la sound, vous prenez le petit dossier, vous copiez-collez ou alors vous déplacez comme ça, vous allez dans le sound ici et vous le déplacez tout simplement, ça remplace le fichier. Il n'y a rien de très très difficile et vous faites ça à chaque fois. Par exemple, pack, vous allez dans pack et là vous êtes dans arena, donc vous allez dans la racine, pack et vous avez aussi arena. Vous recliquez dessus, arena, et chaque fichier en fait, vous le remplacez par exemple. Vous allez à chaque fois jusqu'au bout de chaque fichier, vous le remplacez dans la racine carrée apron. Voilà, je vais dans apron et je le remplace, et etc. etc. AR silent light, vous trouvez sail. Alors c'est pas ça, bon, c'est pas grave. AR sail light, voilà, vous allez dans sail light et vous le remplacez. C'est tout simple. Chaque endroit où vous voyez un fichier, il faut aller dans le même endroit dans la racine carrée, vous le remplacez dans la racine carrée, dans la racine du jeu et vous le remplacez par le fichier même. Par exemple, on revient en arrière, on est dans Arena, voilà, MISC par exemple, donc MISC, ici vous l'ouvrez, hop, paramètres, vous allez dans paramètres dans la racine du jeu, light, vous allez dans light dans la racine du jeu, et là, PR, color, je sais pas quoi, vous le déplacez, tranquille, easy, voilà, c'est aussi simple que ça, et vous faites ça à chaque fois pour chaque fichier.